Hey! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous parler de mon piercing. Que ça fait vraiment longtemps que je voulais vous en parler, puis j'ai jamais fait. Puis là, avant que j'ai des questions, c'est pas les stretch, ok? Je suis pas assez courageuse encore. C'est juste des boucles d'oreilles. Comme ça, que j'ai acheté au Spring. Je pense qu'il était comme 8$. C'est vraiment cool. Fait que là, vous pouvez pouvoir croire aux gens que c'est des stretch, puis que vous êtes courageux, genre. So cool, mais là j'arrive plus à les remettre. Ok, avant de commencer, là vous demandez peut-être où je suis, qu'est-ce que sont ces murs blancs et ce rideau noir ainsi que cette chaise super confortable. Eh bien c'est ma nouvelle chambre, mais je vais pas vous la montrer encore. Faut dire que là c'est comme un genre de sneak peek. Ce mur est beige, ces rideaux sont noirs ainsi que cette chaise que je n'avais pas du tout avant. Et j'ai un cadre. Donc, oh non, ça me parle pas. Je sais pas comment si le lighting est bon. Puis là, ça, dans un petit bout, là, je vais faire comme... Il va y avoir vraiment pas beaucoup de vidéos de maquillage pour un bon bout. Fait qu'il y aura pas de vidéos de maquillage de back to school. Parce que, je vais vous montrer les amis. Juste un instant. Et ceci est mon meuble de maquillage. Comme vous voyez, il n'y a pas de lumière devant, vous voyez? Donc, premièrement, j'ai de la misère à me maquiller. Et je peux pas faire de vidéo si j'ai pas de bon éclairage. Et j'aime pas ça maquiller dans le vide, là. Fait que je pourrais pas me maquiller dans la fenêtre, là. Genre dans le vide avec pas de meubles devant moi pour voir, pour filmer mes choses. Donc, je prévois m'acheter une lampe, là. Mais je sais pas vraiment encore où. Puis, ça coûte cher, sûrement. Ou je sais pas. Mais on verra. Mais par exemple, ça, je suis prête à mettre le prix parce que je veux, tu sais, une bonne lampe pour comme me maquiller puis mes vidéos, là. Puis comme, que je pourrais mettre genre là maintenant au lieu d'avoir cet éclairage de mort. Parce que moi, je vais me mettre toujours devant la fenêtre, ok? Puis l'éclairage était délicieusement bon, mais ouais, tu mets des défauts. Là, j'imagine qu'on les voit un petit peu moins. Bon, je pense pas que ça change vraiment grand chose. Oh, si je suis plus proche, est-ce que c'est mieux? J'ai une nouvelle couleur, j'ai une nouvelle ongle, là, nouveau. C'est la couleur, ils sont un petit peu genre dégueulasses, hein, comme la fille, elle, non, en tout cas, she got mad at me. C'est la couleur Pink Friday d'OPI, avec des petits designs, là, qu'elle m'a fait, là. C'est pas moi qui l'ai fait. Ok, aucun do-it-yourself ou tutoriel, please. Je ferais jamais ça, moi. Moi, ça aurait l'air de... Ma main sera pleine de vernis à ongles. Donc, en tout cas, j'ai fait faire un rouge en passant, puis là, avant, quand j'avais les ongles noirs, on voyait mieux, là. Mais comme... je sais pas si vous pouvez voir. Focusing. Allons-y, graduellement. Voyez-vous où est-ce que mes ongles commencent? Genre environ comme au milieu, là. Ça, c'est mes vrais ongles. Fait que... je suis là. Ok. Ok, fait que oh, la chaise est tellement confortable là. Je vais vous montrer là, la chaise au complet là. Mais, obviously, je porte de pantalon noir, vous verrez rien. Mais, j'ai la grosse comme ça se peut pas, j'ai un petit carton avec donc. Mais c'est une chaise moon chair. En tout cas, Walmart, 28$. Ouais, moi je suis chez Walmart pour des raisons personnelles. Non, lol. Ok. En tout cas, puis ça faisait pas mal de fois que je la voyais. Puis là, à un moment donné, il avait changé de place. Puis là, il avait mis comme vers le milieu. Puis là, je sais pas, il en avait ouvert une. Ou je sais pas si c'était un employé ou un client. Puis là, j'étais comme, oh my god, je veux de ma nouvelle chambre. Fait que, ben, je savais pas, il était quoi le prix. Fait que là, j'ai demandé au gars dans l'immeuble. Puis là, c'était long. Mais il m'a dit le prix. Fait que c'était 28$, pis j'étais comme wow, ça a bien du bon sens ça, mon petit ami. Donc je l'ai acheté. Le lendemain par contre, parce que j'avais pas encore ma paye. Est-ce que je l'ai payé? Non, je pense que j'avais, mais c'est un petit peu gros à la ramener chez moi. En tout cas, fait que c'est pas important, je crois que je l'ai acheté, anyway. Ok, je vais faire la vidéo sur mon piercing, c'est comme 5 minutes que je parle. Dans mon piercing, nous allons se mettre. Juste pour la regarder un petit peu. Ok. Il ne pas focusser. Ok. Fait que. Non, on va mettre 3 là, pour les fatigants.
Ok, donc il n'est plus croche, c'est juste parce qu'il était comme pris à cause de. À cause qu'il était. Il venait juste d'être fait l'autre fois quand vous l'avez vu, les amis. Mon trou, il est beau, mais là, je ne vais pas vous montrer là, c'est un trou, là, je veux dire, hello. J'ai pas changé la bague, tout ce qu'il a fait 2 semaines après, il l'a écarté. Zoup! Parce que je voulais pas avoir un plus gros diamètre. Puis je voulais pas que ce soit. Ça, je voulais pas avoir un plus gros diamètre parce que ça allait comme. Écarter le trou, ça me tente pas. Ça. Fait que maintenant je peux rentrer dans mon nez, donc je vais vous faire cette démonstration. Donc moi je rentre de ce côté-là en premier. Comme il y en a qui peuvent le rentrer juste de même. Mais moi, comment mon nez est fait, je peux pas. On dirait que je pourrais, mais vous voyez que non, parce que c'est comme ça, c'est ma forme de nez, ok? Fait que quand je rentre de ce côté-là en premier parce que cette narine-là est plus grosse, je pense, là. Là, je le tiens, puis c'est tout. Là, mon nez croche, puis là, ça risque de ressortir. Fait que là, je le pousse par en loin, genre. Sauf que là, c'est vraiment inconfortable, surtout de ce côté-là. Fait que là, dans le fond, je fais ça juste pour que mon nez soit correct, puis après, je le remets ici. Fait que je vais vous montrer de côté. On le voit juste un tout petit peu. Puis de ce côté-là, on voit pas. C'est comme, je sais pas si vous voyez, mais là, on le remarque. Je pense que ma narine est considérablement plus grosse. Donc, c'est comme ça. Non, non, non. L'autre côté, l'autre côté. Fait que c'est ça. Là, on est quelle date? On est. Ça va bientôt faire 2 mois que je l'ai. Ok, je sais que j'avais dit que j'allais faire 2 semaines après, mais c'est pas arrivé parce que j'avais pas vraiment grand chose à dire. Je voulais, comme je m'étais dit, ben, finalement, je vais finir de guérir. Puis je vais leur dire. Maintenant, je les désinfecte plus. Je vais sortir là, parce que c'est fatigant. Non, pas moi, je suis un petit peu gore là. Je cherche parce que je suis pas restée de prendre mes 2 mains, mais je suis juste comme. Je sors de cet côté-là, l'autre côté suit, évidemment. C'est pas comme une affaire de 2 côtés que je peux le tourner de même, tu sais. Puis que là, tu t'en arrives de même. Ah, dans mon oreille! Je me fais violer le trou d'oreille. Bon. Alors, c'est ça. Je le désinfecte plus. J'ai arrêté. Après qu'il me l'a. Quand il me l'a écarté, ça a comme pincé un petit peu, là. C'est pas genre. Ça faisait pas aussi mal que quand il me suis percée. Mais c'est ça que je voulais dire en passant. L'affaire, là, ok, que. Quand je me suis fait percer, c'est parce que moi, j'ai une tolérance très restreinte à la douleur. Fait que. C'est ça. Puis je fais de l'auto-anxiété. Donc. Déjà que j'étais stressée en arrivant là-bas, genre, ça a pas bien été. Puis j'ai une peau qui a tendance à faire les infections plus facilement que d'autres. Puis ma peau a beaucoup gonflé. Fait qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il était très professionnel par son attitude et tout. Mais avec une cliente comme moi, c'était difficile de rester professionnelle parce que je shakais, puis je pleurais, puis tu sais. J'étais pas vraiment la meilleure cliente. Puis je suis pas gênée de dire comment j'ai réagi parce que chaque personne réagit différemment. Il y en a là qui disent que ça leur a même pas fait mal. Ben, c'est cool pour eux, là, mais moi, ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Fait que. Ça. Fait que quand il l'a écarté, j'ai juste pris des pinces, dans le fond. Puis il y en a qui m'ont dit que j'aurais pu le faire moi-même, mais moi, j'ose pas. Puis même pour le changer, je le ferais pas moi-même. J'irais le faire faire parce que. Non. Enfin, j'ai juste pris une pince, là, puis il l'a écarté, là. Puis après, il me l'a rentré. Puis ça saignait un peu, là. Je pense que c'est parce que ma peau, elle avait cicatrisé dans ce sens-là. Puis là, tu sais, il me l'a rentré en autre sens, fait que c'est ça. Mais ça n'a pas vraiment saigné, je veux dire, 3 4 gouttes, là. Moi, je l'ai même pas vu, c'est ce qui m'a essuyé, fait que. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine!